Bonjour, je suis le frère Gabriel Marie. Pour le pèlerinage du rosaire, je vais accueillir les malades, les hospitaliers, hospitalières, animer des temps de prière, en particulier le matin ou un chapelet, tous les jours du pèlerinage. Je suis le frère François du couvent de Toulouse. Je vais à Lourdes et je ferai le ministère de confession. Je suis le frère Jacques Lambec, dominicain du couvent de Toulouse, et je suis très heureux de participer au prochain pèlerinage du rosaire, chose que je n'avais pas réalisée déjà depuis plus de 10 ans. Je vais m'occuper de l'accueil des pèlerins de la région qui sont dans les hôtels et restaurants pour faire le lien avec eux, parler avec eux, répondre à leurs besoins, être à leur écoute. Et pour moi, c'est une joie de retrouver cette cité de Lourdes que j'aime beaucoup et où j'ai eu ma vocation à l'âge de 14 ans. Je suis le frère Philippe Jaillot du couvent des Dominicains de Toulouse. Cette année, je pars au rosaire. Là-bas, je vais faire de l'accueil, l'écoute comme elle est proposée aux pèlerins. Je vais avoir une conférence qui est sur les jeunes, la relation des jeunes et des anciens. Et puis, je vais aussi faire avec un autre frère, le frère Éric de Clermont-Tonnerre, un atelier qui s'appelle École de la parole, proclamation, prise de parole en public, répondre à des questions. Je suis le frère Paul Étienne. Cette année, je vais m'occuper pour la seconde année consécutive du rosaire collégien. On accueille 200 collégiens de toute la France, de 9 établissements différents, si ma mémoire est bonne. Ils sont tous en troisième et pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils découvrent un sanctuaire marial. Donc il y a un gros enjeu d'évangélisation. Bonjour, je suis le frère Timothée du couvent de Toulouse. Et pour le pèlerinage du rosaire, je vais être aumônier des pisciniers, des piscinières, donc des personnes qui prennent soin de vous pour faire le geste de l'eau aux piscines. Voilà, peut-être que nous nous y verrons. Au revoir. Je suis le frère Marie-Édouard et cette année j'ai une mission tout à fait spéciale au rosaire. Je devrais m'occuper d'une équipe qui devra aider les gens à prendre des résolutions après le rosaire pour devenir à leur tour apôtre du rosaire ou tout simplement pour changer quelque chose dans leur propre vie. Bonjour, je suis le frère Jourdain-Marie de Toulouse. Au pèlerinage du rosaire, je serai à la tombe des jeunes.